C'est tout de suite les bois-boîtes avec mon ami Ryan Benzetti qui nous a rejoint. Mon Ryan qui est magnifique, mon chéri. C'est son anniversaire en plus à Ryan Benzetti. Salut mon Ryan d'amour. Comment ça va? Merci mon chéri, t'es magnifique, t'es beau. T'es beau mon bébé, t'es beau. Et il y a Sandra qui est avec nous. Merci qui va jouer avec nous aux bois-boîtes. Salut Sandra. Merci Sandra d'être là. Ça va Sandra? Merci avec toute la famille qu'on embrasse. Merci la famille d'être là. Salut les chéris, vous nous appelez d'où la famille? Vous nous appelez d'où les chéris? Les chéris, vous nous appelez d'où? Sandra? On est de Mazamé, dans le Tarn. D'accord, très bien ma chérie. Bah, merci d'être là. Il y a Ryan Benzetti qui est avec nous également. Hey, t'es magnifique frérot, t'es très 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 beau. Bravo, franchement, bravo pour la personne. Bravo pour la personne. On va jouer pour 50 000 euros, les chéris, et on va jouer pour les hôpitaux de Paris, hôpitaux de France, avec Sandra et avec Ryan. Les chéris, il y a une boîte à 50 000 euros, il y a une boîte à 10 000, une boîte à 5 000, une boîte à 1000, une boîte à 500, une boîte à 100, et bien sûr, il y a des cadeaux un petit peu moins bien. C'est parti, vous choisissez quelle boîte, Ryan et Sandra. Moi, je vais la choisir la boîte numéro 4. La boîte numéro 4. La boîte, ça te va, Ryan, la boîte numéro 4? Ouais, très bien, très bien. La boîte numéro 4, c'est la boîte avec Gilles Verdez. Donc, c'est votre boîte. Vous garderez cette boîte peut-être jusqu'à la fin. Allez, on va démarrer tout de suite le jeu. On va essayer d'aller chercher les 50 000 euros. Il y a un dinar algérien. Oui, mon chéri, il y a un dinar algérien. Allez, c'est parti. On y va. Ma Sandra élimine tout de suite une première boîte. Tu peux demander l'avis de Ryan. Hein, tu joues avec Ryan. Allez. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait éliminer? Écoute, regarde, c'est le 9 avril, vas-y, enlève le 9. Allez, on enlève le 9. On enlève la boîte numéro 9 tout de suite. C'est la boîte avec Maxime Guény. Mon Maxime Guény, est-ce qu'il y a une belle somme derrière Maxime Guény? On joue au bois-boîte. Je sais que vous attendez ce jeu tous les soirs, que vous soyez en famille, les enfants, les parents. Bien sûr, c'est un dérivé hein, d'un jeu que vous connaissez bien, c'est les bois-boîtes de Baba. Et j'espère peut-être qu'à la rentrée, on fera le vrai jeu. Les chéris, eh bien, Ryan. Oui. T'as choisi la boîte numéro 9? T'es de quelle origine, Ryan? Ryan? T'as enlevé le dinar algérien, mon chéri. Ah, super, super, super. Le dinar algérien, super. Ça, c'est une très, très bonne boîte. Bravo, mon Ryan. Allez, on en enlève super. Une deuxième tout de suite. On en enlève une deuxième tout de suite. Vas-y, je te laisse faire. Ok. Alors, le 9 avril... Alors, non, on ne peut plus... Tu ne peux plus refaire le 9. Non, ni le 4. Allez. J'ai choisi le 4. La 2. Allez, Ryan. La 2. La 2, c'est la boîte avec ma Valérie Benaïm qu'on embrasse. Les chéris, on continue, c'est les bois-boîtes de Baba. Qu'y a-t-il dans la boîte numéro 2? Quelle somme va-t-on éliminer ou quel cadeau pourri va-t-on éliminer? Eh bien, dis-moi que c'est le poivron, très, très c'est bien. Le poivron. Vous enlevez le poivron rouge. Non. Bravo, Ryan. Bravo, Ryan. Et... bravo à... Vraiment, Sandra, magnifique. Sandra et Ryan, pour l'instant, ça se passe très bien. Allez, on élimine une autre boîte. On vise la babouche droite, maintenant. On va taper dans ça se passe très, très, très bien pour vous. Allez, le 6. Le 6. La boîte numéro 6, c'est Kelly. Kelly Vedovelli, qui avait la boîte à 50 000 euros il y a deux jours. Est-ce qu'aujourd'hui, elle a une grosse somme, Kelly? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Vous perdez la trottinette électrique? Oui. Ça va, oui. Ça va, ça se passe bien. Ça se passe très, très bien. Pour l'instant, vous avez enlevé que des cadeaux ripou. Ça se passe très, très bien. Et Merzouk Blanchard, notre charcutier trader, est avec nous pour nous faire une petite proposition. Déjà, comme tu peux le voir, Merzouk, pour l'instant, ça se passe très, très bien pour eux. Donc, tu as intérêt à faire une très, très belle proposition. Alors, pas de menace. Vas-y, je te ferai jamais de menace. Alors, la TMP Banque vous propose 700 euros. 700 euros tout de suite, Sandra. Cash. 700 euros Sandra. Tout de suite. Hey, avec toutes les sommes qu'il y a, 700 euros. Il d'accord, non. Hey, raccrochez tout de suite, Sandra. Raccrochez-lui à la Ah ouais, direct. Non, mais c'est pas possible, merci. Sandra qui est avec toute sa famille. Vous faites quoi dans la vie, Sandra? Moi, je suis naturopathe. D'accord. Eh bien, ça voilà. Se passe bien. Mon mari travaille à l'usine. Ah bah écoutez, on lui fait un gros bisou, on l'a vu, j'ai vu qu'il allait s'occuper de la famille. Combien d'enfants? Oui, il couche les filles, quatre enfants, dans quatre des enfants. Jumelles. Vous leur, faites de gros bisous les chéris, et j'espère que vous allez remporter une belle somme pour eux et pour toute votre Merci. Famille. Merci. On continue pour l'instant, ça se passe très très bien, et je vous le dis, vous êtes ravissante à l'antenne. Voilà,
Oh, merci. Franchement, voilà. Et vous embrassez votre mari, il a beaucoup de chance. Vous lui dites, voilà, je peux vous dire, il a intérêt à rester confiné, celui-là. Il a intérêt à rester confiné, vous le dire. Hein? Alors, on y va, on élimine une nouvelle boîte. C'est parti. Allez. On enlève pas la une. La une. On non. enlève la une oui. Allez, numéro une. La une, c'est Benjamin Castaldi, la une. Allez, Castaldoche, est-ce que c'est du bon? Pour l'instant, ça se passe très très bien. Si vous nous rejoignez, c'est le jeu des bois-boîtes. Il y a toujours 50 000 euros, 10 000 euros, 5 000 euros à gagner. Ah, bon, ça va, ça va. On perd 100 euros. Ça va. Ok, ok, ok. Ça va, okay. C'est mieux que le reste. C'est la plus petite somme que vous avez enlevée, ça va. Allez, Massandra, on enlève tout de suite une deuxième boîte. À moi. Vas-y. Vas-y, man. La 12. La 12, voilà. La 12. Ah, Bernard Montiel. Eh ouais. J'espère qu'on va pas enlever un point soleil. Ouais, t'as... Allez. C'est sûr qu'il, c'est sûr qu'il a un gros... Il a un gros truc. Bernard Montiel qu'on aime. Bernard Montiel qu'on chérit. Bernard Montiel qu'on kiffe. Allez, on ouvre Bernard Montiel. Vous aimez Bernard Montiel, Sandra? Oui. T'as réfléchi. Hein. Elle a réfléchi. Hein. Bernard Montiel, Sandra, va rester... un très, très mauvais souvenir pour vous. J'étais sûr. Si. La boîte numéro 12. Sandra. Ah là, ça m'embête. C'est les 50 000 euros. Ah, oh, mais... Ah, la putain. Ah ouais, là, je l'aime plus, là. C'est les 50 000 euros. Bon, c'est pas de la faute de Bernard. Mais non. Bon, écoutez, pour l'instant, il nous reste... 10 000 euros, ce serait formidable. 10 000, oui. 5 000 euros, ce serait quand même formidable. Donc, les chéris... On oublie et on se remet tout de suite. On enlève une troisième boîte tout de suite. Alors, Ryan, je te laisse. Non, là, si. ça va mieux. Ryan, je sens que t'as la main. Je sens que t'as la main, mon Ryan, vas-y. On va partir sur du 14. Du 14. Allez, du 14, Sophie Coste. Allez, tout de suite là, il faut repartir, il faudrait éliminer. Il faudrait qu'on élimine le pois chiche là, la boîte de pois chiche. Bah oui, babouche. Ah là là là, là on avait bien démarré, et là ça se gâte. Ah non. Ça se gâte, les chéris. Ah, je suis embêté. Hein. Ah, je la sentais bien, celle-là, moi aussi, en plus. Je sais pas ce qu'il y a dans les boîtes, hein, je vous le dis. Mais là, 5 000 euros. Ah, voilà. Ça va plus, là. 5 000 euros, on conserve quand même. On a toujours les 10 000. Allez, il y a Merzouk Blanchard qui va nous faire une proposition. Merzouk, quelle est la proposition du banquier? Sachant qu'on n'a plus les 50 000 et qu'on n'a plus les 5 000. Il nous reste trois belles sommes quand même. 10 000, 1000 et 5 000 euros. Et après, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadeaux, beaucoup moins bien. Alors, Merzouk. Alors, je vous propose, tout d'abord, joyeux anniversaire, Ryan. Merci. Je vous en prie. Je vous propose 1200 euros. 1200 euros. Ça fait 600 euros pour vous et 600 pour les hôpitaux. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Non. Je suis venu pour jouer, donc autant jouer jusqu'au bout. Madame est joueuse. Donc, voilà. Oui. Donc, Sandra veut jouer jusqu'au bout. Elle refuse votre proposition à 1200 euros, Boudair. Merci, c'était une belle somme. J'espère qu'on va pas la regretter. Allez, on enlève trois nouvelles boîtes. C'est parti. C'est parti, Sandra et Ryan. Si vous nous rejoignez, c'est le jeu des bois-boîtes. On joue pour les hôpitaux de Paris, hôpitaux de France et pour Sandra qui est avec nous. La 15. Alors, la 15. Allez, il y a le mari qui est revenu, il a dit je vais prendre l'affaire en main. Il a dit je vais prendre l'affaire en main, là ça suffit. La 15 c'est Jimmy Mohamed et on enlève un pipeau. Voilà, il vous a porté chance votre mari. Allez, super, magnifique. Super. Il s'appelle super. Comment votre mari, Sandra? Tony. Tony, bah Tony, bravo. T'as bien choisi mon Tony, bravo. Allez, on en enlève encore. Bah n'hésite pas à continuer, Tony. Hein. Allez, Tony, enchaîne trois boîtes, Tony. Enchaîne les deux boîtes. Allez, il reste la 13, la 7, la 5, la 3, la 11, la 8 et la 10. La 7 déjà, elle shoot. Vas-y, enlève la 7. La 7. Ouais. Allez, la 7, Jean-Michel Maire. Allez, on enlève la 7 tout de suite. Je sens la Allez, bouche. Une tablette. Oui. Allez, c'est bien, une tablette. Oh. Allez, on enlève la tablette, c'est très bien. C'est bien. Okay. Allez, on conserve pour l'instant les 10 000 euros et les 1000 euros. Allez, on enlève une troisième boîte. Allez, la 13. La 13 Doc Gynéco. Allez, la 13, Doc Gynéco, allez. Il y a Tony qui va enlever Doc Gynéco. Une balle de ping-pong. Allez, on est très super, bien. Une balle de ping-pong. Super, ah là, c'était super. Là, on a enchaîné les belles performances.
Hey, on est pas mal du tout. Là, on a repris du poil de la bête avec Tony qui est arrivé. Tony, il a dit, redonnez-moi ça, je vais reprendre ça en main. Vous vous poussez, c'est moi le taulier. Bon, alors, les chéris, il nous reste toujours la boîte à 10 000 euros, la boîte à 1 000, la boîte à 500. Je crois qu'il y a Merzouk Blanchard qui doit nous faire une proposition. Merzouk. Merzouk Blanchard est avec nous. Merzouk, est-ce que tu peux nous faire une proposition et une belle? Il nous reste toujours 10 000, 1 500. Et il nous reste 3 cadeaux moins bien. Centrale vapeur, boîte de pois chiches. Et une babouche droite. Alors. En tout cas, bravo à Tony qui a fait une remontée extraordinaire. La remontada. Ah oui, il a fait une belle remontée. Ouais. Merci. Je vous en prie. Je vous propose, monsieur Tony, à vous ainsi qu'à mais tous les hôpitaux. Oui, oui, ne vous inquiétez pas. 1 500 euros. 1 500 euros. Et c'est une belle somme, là. Sandra et Ryan. Sandra et Ryan, ça ferait 750 euros pour Sandra et 750 euros pour les hôpitaux de Paris, ouais, c'est ça. Et de France. Bah oui, il y a les hôpitaux. Attends, il reste combien? Il reste 6 boîtes. Il reste 10 000 euros, 1 000 euros et 500 euros. Tu vois, en vrai, là, tout repose sur les 10 000 euros. En fait. Ouais. Parce que sinon, sa proposition, elle est quand même. Elle est au-dessus. Elle est au-dessus. Faut penser aux hôpitaux. Après, je t'avoue que moi aussi, je suis joueur. Hein. J'aimerais bien péter les 10 000. Ouais, voilà. On va continuer. Oh, dis donc. On s'arrête pas. On continue. Allez, vas-y, on continue. Allez, Tony, dis, on continue. Mon Merzouk, tu reviendras peut-être tout à l'heure pour faire une dernière proposition. Allez, Tony, on enlève 3 nouvelles boîtes. Il reste la 5, la 3, la 11, la 8 et la 10. Et on va aller chercher cette boîte à 10 000 euros pour les hôpitaux et pour Sandra. Et pour Tony. Allez, Tony et Sandra, vous enlevez quoi? Qu'est-ce que t'en penses de la 10? La 10, pas mal. La 8 aussi, je la sentais bien. Ouais. Alors, prenez vas-y, la tente la 10, tente la 10. Vas-y. Ouais, allez, la 10. On va tenter la 10. La 10. Vas-y. La 10. La 10, c'est Géraldine Maillet. Allez, là, on rentre dans le dur, les chéris. Allez, Géraldine. Oh là là, ça m'énerve parce que ça me touche. Vous enlevez la babouche droite. Oui. Bravo. Oui. Allez. Vous perdez la babouche droite. Allez, on y va. On est pas mal du tout, là. Alors, on y va. Tony, depuis que Tony est arrivé, on enchaîne les bonnes boîtes. Hein. Je te jure. Allez, mon Tony. Tu penses la 8? Non. La 8, non, c'est tenté. Si tu la sens pas. La 8, c'est milieu de terrain, c'est un bon poste quand même. Et puis alors, on est sur C8. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste la 5, la 3, la 11. Allez, mon Tony. La 3. Allez, c'est moi. La 3. Ouais. La 3, Mathieu Delormeau. Allez. La 3 avec Mathieu Delormeau. J'espère que ça va être ou la centrale vapeur ou la boîte de pois chiches. Tony? Sandra? Ouais. Oui. La centrale vapeur. Oui. Allez, ça se passe très très bien depuis quelques temps. Là, on avait eu un coup de mou et là c'est reparti. Il en reste une là. Allez mon chéri. Allez, la 7. Ouais. La 7, on n'a pas. Il nous reste la 5, la 11 ou la 8. La 5. Allez, vas-y, la 5. La 5, allez. La 5. Et là, les chéris, si on enlève la boîte de pois chiches là, franchement, on est. Ouais. Franchement, je fais une statue pour Tony. Ah oui, là je vous le dis. Est-ce qu'il y a la boîte de pois chiches là-dedans? Est-ce qu'il y a une grosse somme? Qui a choisi la 5? Tout le monde, d'accord. On a fermé nos gueules. Je l'adore. Tony, je l'adore. C'est toi, Thierry, qui l'a choisi la 5. Non. Alors moi j'ai pas choisi. Moi je sais pas ce qu'il y a dans les boîtes, je vous le dis. On va avoir Merzouk Blanchard qui va nous faire une proposition juste après avoir ouvert la 5. Mais dans la 5, il y a quoi? Il y a quoi dans la 5? On va toujours chercher les 10 000, les 1 000 ou les 500 euros et on va essayer d'enlever cette boîte de pois chiches. On se retrouve maintenant dans 2 minutes. C'est très très court, on se retrouve juste après et on va voir avec combien vont repartir Sandra et Tony et bien sûr Ryan qui va offrir sa somme aux hôpitaux de Paris, aux hôpitaux de France. C'est pas pour toi mon Ryan et il le sait. Il est là pour la bonne cause comme d'habitude mon chéri. A tout de suite, on se retrouve dans 2 minutes, c'est très rapide. Si vous nous rejoignez, on est en direct, il reste une boîte à 10 000 euros, une boîte à 1 000, une boîte à 500 et il reste une boîte de pois chiches. Vous avez choisi avant la pause la boîte numéro 5 avec Isabelle Morini-Bosque dessus. On espère que ça va être du pois chiche. La boîte de pois chiche. En plus, c'est l'anniversaire de Ryan aujourd'hui. Un kiff comme ça. Qui a choisi la boîte numéro 5?
On va dire que c'est personne. On va dire que c'est personne. Parce que j'ai très envie de faire gagner Sandra, Tony et Ryan. Mais là, j'ai pas des bonnes nouvelles. Non, j'ai pas des bonnes nouvelles. J'ai pas des bonnes nouvelles, les chiens. Malheureusement. Bah attends. On la change. Bah, je vais. Bah, on peut. c'est pas assez. On vient de perdre la boîte à 10 000 euros. Non. Isabelle Morini-Boss, ma chérie, c'était la boîte à 10 000 euros. Allez, on a une proposition de Merzouk Blanchard, notre banquier. Notre charcutier trader. Merzouk, fais-nous une proposition, sachant qu'il reste la boîte à 1 000 euros, la boîte à 500 et la boîte de pois chiches. Allez. Bon, j'ai une proposition à vous faire. Vas-y. Et la suivante, 750 euros. 750 euros tout de suite, où il reste trois boîtes et on dit on va chercher les 1 000 euros. C'est une belle proposition qu'il vous fait, parce qu'il enlève la boîte de pois chiches et il se dit, il fait juste la moyenne entre la 500 et la 1 000. Ouais. Moi, je pense que le plus sage, c'est de les prendre, non, Ryan? Le plus sage, c'est de les prendre, si on, tu vois, on pense... On pense vraiment, tu vois, aux hôpitaux et à vous, voilà. dans le concret, quoi. Tu vois, dans le concret, on est sûr de les avoir. Oui. Donc, vous dites, la proposition de Merzouk, elle est de 750 euros. Vous gardez les 750 euros, Sandra. Allez, et Ryan. On les garde. Quand même. Il y a Attendez, parce que ça vous chauffe pas quand même de l'enlever, cette boîte de poissons. Vous voulez pas l'enlever? Je pense qu'on peut les avoir quand même, les 1 000. Il reste quoi? Il reste trois boîtes là? Je sais pas, putain. Ouais, il reste trois boîtes. Trois boîtes, mais 5 000. C'est quoi? On joue jusqu'au bout, Ryan? Tu veux? Non, tu sais quoi? Non. C'est mon côté joueur, Sandra, mais il vaut mieux être raisonnable. Sandra et Tony. C'est ça. Vous prenez la boîte numéro 4, vous me dites on continue, ou bien vous me dites non, on prend la proposition de Merzouk Blanchard à 750 euros. Allez, on fait quoi? Qu'est-ce que t'en penses, Ryan? Ryan, il a envie de continuer, mais bon, Ryan, c'est un peu... Moi, j'ai envie de continuer, mais si on veut être sûr, tu vois, autant les prendre. C'est toujours ça pour, tu vois, les hôpitaux, c'est ça. Après, pour c'est vous. Deux chances sur trois de... C'est ça, c'est ça. Deux chances sur trois d'avoir une moins belle somme. Pour avoir 700 euros On essaye. Une boîte de pois chiches. Et ouais, c'est ça. Alors, aussi. Allez, qu'est-ce que vous faites? Rien. Moi, je le prendrai. Franchement, prenez les 750. Bon, 750 euros, ce qui ferait 375 euros pour Sandra et Tony et 375 euros pour les hôpitaux. On est sûr? Ouais, moi je suis sûr, aussi. On est sûr? On est sûr? Ça y est, la décision a été prise, c'est terminé. On vous offre donc 750 euros donc à partager avec les hôpitaux de Paris et hôpitaux de France. Voilà les chéris. Bon, c'est déjà une très belle somme. On va voir ce qu'il y avait dans la boîte numéro 4. Parce que vous avez tous envie de savoir. Les chéris, la boîte numéro 4 que vous avez choisie. Et ouais, Ryan voulait continuer. Et Ryan, il y avait les 1 000 euros. Oh, mais... Bon, c'est pas grave. Non, mais c'est joli, déjà. Vous avez pris 750 euros, il y avait les 1 000 euros, mais vous avez pris 750 euros, les chéris, à partager avec les hôpitaux de Paris, hôpitaux de France. Bravo à vous, bravo à Sandra, bravo à Tony. Je vous fais de gros bisous. Bravo à vous, et je vous aime fort. Merci d'avoir été avec nous.